Quel regard cette femme porte-t-elle sur sa vie passée? Qu'en a-t-elle appris? Que pourrait-elle en dire à ce jeune garçon qui semble en attente de partager ses expériences? Lui, il débute sa vie, il va découvrir l'existence. Elle en écrit les derniers chapitres et elle va être invitée à explorer la mort. Aurait-elle pu me dire dans son dialecte une phrase que j'ai si souvent entendue? Et si on m'avait dit? Cette femme, je l'ai rencontrée en Inde, au cœur du temple de Fatehpur Sikri. Elle m'a offert son regard, a pris ma main dans la sienne, l'a serrée fortement, me parlant avec ses yeux, avec une intensité que j'ai envie de partager avec vous aujourd'hui. Elle fait partie de ces rencontres qui changent une vie. Lui, c'est un enfant mendiant qui se promenait sur les routes qui mènent au Taj Mahal, ce lieu dédié à l'amour où les richesses sont exposées au-delà de la mort. Alors, comment pourrait-elle le guider dans la construction de sa trajectoire de vie? De quoi va-t-il avoir besoin pour se construire? Autant de questions que la femme, médecin, exploratrice de la vie, je me suis posée au fil de mon parcours personnel et professionnel. Ces interrogations ont construit mon histoire, ont forgé mes rencontres et m'ont amenée à prendre soin aujourd'hui d'un bien qui me semble très précieux et même sacré, le lien, les liens, ceux qui nous unissent, qui nous construisent, qui parfois nous détruisent et sont amenés à tuer, ceux qu'on va définir parfois de toxiques ou de libérateurs. Au fond, ces liens, ils nous fabriquent, ils nous façonnent, ils vont modeler le regard que l'on va poser sur soi et sur les autres. Alors, au fil de ces explorations, j'ai fait une découverte. J'ai découvert une clé. Cette clé m'a ouvert de nombreuses portes et j'ai envie de la partager avec vous aujourd'hui. Alors, pour la découvrir, j'ai cheminé au fil de plusieurs étapes et je vais vous inviter à suivre ces étapes avec moi. La première pierre qui commence notre chemin et notre voyage, l'intensité du regard de cette femme m'en a témoigné. Nous sommes tous reliés les uns aux autres, au-delà des différences, au-delà de la distance, au-delà de la langue. D'ailleurs, les neurosciences nous le disent, nous sommes des êtres sociaux. Les études sur le cerveau social nous témoignent que nous sommes tous reliés, intrinsèquement reliés les uns aux autres, et même que notre survie, notre bien-être physique et psychologique dépend de manière critique à la manière dont nous avons construit les interactions avec nos congénères. En d'autres temps, certaines philosophies ont appelé ça l'interdépendance. Alors voilà, la première pierre est posée, la force du lien, ce qui nous relie, de l'invisible au visible. Sacré défi dans notre société. Alors qu'allons-nous faire de ce lien et quelles qualités appelle-t-il? Vous avez vu l'intensité du regard de cette maman qui dévore son enfant des yeux. J'aime regarder ces regards. J'aime toucher la charge émotionnelle qui nous témoigne à quel point ces deux êtres sont reliés. Est-ce que vous avez déjà remarqué comment les bébés nous fascinent? Même les bébés animaux, ils arrivent à nous arrêter dans notre course folle. Ils nous captent par la présence, la force de leur présence. Moi, je me rappelle d'un petit Arthur. Il est arrivé planté dans sa poussette avec sa maman pour une consultation. Je n'ai pas pu commencer la consultation sans le regarder, m'arrêter, lui dire bonjour. Et puis, je suis mère. Je suis la maman de Simon, un grand gaillard d'aujourd'hui 21 ans, qui est passionné de moto-trial et qui étudie l'architecture. Et puis qui nous a invités à vivre dès le début de la maternité cette aventure et de nous faire comprendre que ce n'est pas si facile de construire les liens et que ça nous invite à nous dépasser, à dépasser nos représentations. Alors cette grossesse, elle a débuté après un long parcours d'infertilité. Elle a été émaillée de complications médicales et puis Simon a décidé de venir beaucoup plus tôt que prévu. Alors sa venue était une joie infinie. Et puis elle s'est teintée très vite
d'une peur effroyable, celui de le perdre. Parce que le lien était déjà là, si intense, et il semblait tenir à ses perfusions et à ses soins médicaux si prononcés et si envahissants. Comme un oiseau tombé du nid, comme ce père et son fils que j'ai rencontrés dans un parc à New Delhi. Ils étaient là, dans une clinique qui s'occupait des oiseaux blessés. Sa femme était morte en couche et il prenait soin de son bébé. Alors j'ai rencontré Simon 5 jours après sa naissance, parce qu'il avait été transféré avant même que je ne sois réveillée de mon anesthésie générale. Le père de Simon m'a amenée dans une salle où il y avait 4 couveuses et m'a présenté notre enfant. J'ai découvert cet intime inconnu, cet enfant qui avait été si vite arraché de moi. Et je me suis dit, mais où est cet instinct dont on m'a parlé? Et comment je vais construire ce lien avec cet enfant dont j'ai été déjà séparée si longtemps? Et puis, le premier regard, et puis l'aventure prend sens. Et vous? Est-ce que vous vous rappelez du premier instant, du premier regard avec votre enfant? Au moment où nos deux êtres se rencontrent, où nos deux âmes se connectent, comment c'est irréel et comme si intense. Alors voilà, cette deuxième étape, elle est là, la qualité de notre présence. Et nos enfants nous invitent à être plus présents à nous-mêmes, plus présents à la vie. Et quand j'accompagne aujourd'hui les familles, je me rends compte à quel point nous avons beaucoup investi la grossesse physique avec un suivi médical légitime et important, mais nous négligeons souvent la grossesse psychique. Ce moment qui est fondamental dans la construction de la parentalité, ces premiers pas vers la construction de ce lien. Parce qu'aujourd'hui, c'est aussi une sacrée aventure que de rentrer dans la maternité. Comment être parent aujourd'hui dans une société qui bouge? Alors, si on m'avait dit que la maternité n'était pas toujours parsemée de bonheur et que la peur pouvait être au rendez-vous, et si on m'avait dit que chaque instant était comme un joyau à cultiver, dès les premiers regards, dès les premières années si cruciales. Et puis, je suis médecin, urgentiste, puis généraliste, avant de devenir psychiatre. J'ai rencontré la souffrance, comme j'ai rencontré ces deux femmes dans les rues d'Agra. J'ai été formée à alléger la souffrance. J'ai été conditionnée à éviter la mort qui m'a été présentée comme un échec de notre mission de guérir. Et puis, je suis très soucieuse de la rigueur scientifique qui est liée à ma profession. Mais je me questionne aussi sur nos modèles d'aujourd'hui qui parfois nous limitent dans la compréhension de l'humain. Peut-être que nous devrions être invités à plus d'humilité ou à plus de réserve quant à nos vérités. Alors, cette souffrance, je me suis rendu compte qu'elle venait impacter ce lien. Que nos corps changeaient, que nos visages se modifiaient, qu'ils prenaient des masques, et puis que certains comportements évoluaient. Et puis je me demandais quelle part cachée cet individu va nous témoigner à travers ce comportement, parce que j'ai toujours eu la curiosité d'aller au-delà de ce qu'on peut voir, et au-delà aussi pour nos enfants, et encore plus pour ces enfants qui n'ont pas acquis le langage et pour lesquels leur cerveau est immature. Et puis, une rencontre encore plus essentielle a changé ma vie. La rencontre avec la mort. Cette mort qu'on rencontre sur les ghâts de Bénarès, cette mort qui m'a touchée en tant que femme avec le départ de mon beau-fils et de mes 2 cousins qui ont décidé de partir prématurément, le décès de mon beau-père qui nous a invités à découvrir l'existence des expériences de mort imminente. Et puis, la mort de tous ces patients que j'ai accompagnés jusqu'à leur dernière étape et qui méritent des soins appropriés. Et enfin, le départ de ces enfants pas encore nés, dont j'accompagne les parents chaque jour. Alors, si on m'avait dit que c'est en rencontrant la mort que j'allais découvrir la vie et que la qualité de la présence est si essentielle, vous l'avez compris, je suis une exploratrice de la vie. Je suis curieuse, j'aime aller au-delà de ce qu'on peut voir, j'aime découvrir ce qui se passe derrière. Au fil de ce chemin, le lien, la présence, j'ai posé une 3e pierre.
J'ai découvert qu'il y avait une émotion qui s'insinuait dans nos vies de manière beaucoup plus intense que nous le pensions. La peur. La peur de perdre Simon, la peur de la souffrance, la peur de la mort, la peur de la peur qui ne pouvait pas être un moteur de vie. Alors que faisons-nous de nos peurs? Quelle place prennent-elles dans nos vies? Et quels moyens nous avons pour les réguler, pour qu'elles continuent à remplir leur mission et leur fonction de nous protéger face aux dangers et au-delà de faire survivre l'espèce sans nous figer, nous paralyser, nous empêchant d'explorer? C'est là que j'ai découvert cette clé que je vais partager avec vous. Cette clé nous dit que pour vivre pleinement ce lien, pour réguler nos peurs, pour être présents à la vie, nous avons tous un besoin fondamental, le besoin de sécurité émotionnelle. Cette sécurité émotionnelle, certains auteurs la définissent comme un méta-besoin, comme un prérequis, comme une condition sans laquelle nous ne pouvons ou notre construction sera plus compliquée. Sécurité, terme si usité dans notre société où les guerres visibles et invisibles envahissent nos écrans, où la violence est grandissante et où l'insécurité nous questionne tant qu'elle soit professionnelle ou économique. Finalement, pas étonnant qu'on soit dans cette quête de sécurité, parce que cette sécurité, c'est un maillon fondamental de notre essence d'être vivant. Alors, comment j'ai croisé, comment j'ai découvert cette clé? Je l'ai découverte parce qu'au fil de mes études, de mes lectures, j'ai croisé une théorie, la théorie de l'attachement. Alors, cette théorie, elle n'explique pas tout. Elle ne va pas nous expliquer l'histoire d'un individu, comment il va se construire dans son récit et dans son individualité, dans sa dimension intrapsychique. Mais elle va nous inviter à éclairer ce qui se passe dans ces liens qui se tissent, dans la manière dont nous construisons nos relations. Cette théorie, elle nous dit que nous avons tous, à l'intérieur de nous, un système qui est inscrit dans notre biologie et qui permet de réguler la peur. Une fois que nous avons régulé nos peurs, nous sommes en capacité d'explorer la vie, de développer de nouvelles connaissances et compétences, de faire face aux défis qu'elle nous présente, d'apprendre, d'apprendre encore mieux, de découvrir. Cette théorie, elle nous explique que la manière de réguler nos peurs va passer par la qualité du lien que nous allons construire pendant les premières années de vie, par la qualité de la présence des gens qui prennent soin et des personnes qui prennent soin de nous, enfants, et par la qualité de l'environnement dans lequel nous grandissons, qu'il soit affectif, éducatif ou sociétal. Cette théorie, elle nous apporte des connaissances scientifiquement prouvées, elles sont validées, elles sont évaluables. Cette théorie a été appliquée dans d'autres pays parce qu'eux ont décidé de se questionner sur ce besoin fondamental de l'enfant et de le remettre au cœur de leurs préoccupations. Alors, elle va nous expliquer, cette théorie, comment nous pouvons vivre nos relations amicales, nos relations conjugales, nos relations professionnelles, notre manière de manager nos équipes. Mais moi, j'ai décidé de me pencher sur le berceau de la relation qui relie les enfants à leurs parents. Relation singulière, unique, éternelle et ineffaçable, qui nécessite qu'on y pose une conscience appuyée. Parce que cette théorie nous explique que ce qui se passe dans les premières années de vie, c'est déterminant. Ce n'est pas déterministe. C'est déterminant dans la mesure où nous, ces années nous permettent de construire une feuille de route sur laquelle nous allons nous appuyer pour pouvoir évoluer et construire nos relations. Alors, sans nous culpabiliser, mais en nous responsabilisant, quelle sécurité offrons-nous aujourd'hui à nos enfants? Comment nous organisons notre quotidien aujourd'hui? Est-ce que la compétition ou la performance qui est attendue de nous ne vient pas impacter notre présence à eux? Est-ce que quand nous réorganisons nos vies, parce que nous avons des événements de vie ou des choix qui nous obligent à repenser les choses, nous pensons à leur besoin de sécurité fondamentale? Est-ce que les juges qui s'occupent des gardes des enfants sont formés à cette théorie de l'attachement? Est-ce que quand nous confions nos enfants à l'école, nous avons conscience de la multiplicité des professionnels qui s'occupent de nos enfants, les insécurisant,
peut-être pas si étonnant qu'il y ait de la violence qui arrive, y compris dans les cours des petites écoles. Et puis, la protection de l'enfance, les parcours que nous offrons à ces enfants et qui nous questionnent de manière fondamentale. Les mises en application sont multiples. Et finalement, au-delà d'enjeux individuels, c'est réellement un enjeu sociétal que cette théorie questionne et que cette conscience du lien nous invite à visiter. Alors voilà, le voyage se termine. J'aimerais penser que si chacun de nous avions plus conscience de ce besoin de sécurité émotionnelle de nos enfants, de nous-mêmes, de nos proches, des êtres que nous rencontrons, peut-être que nous pourrions poser un autre regard sur l'autre. Pour aller au-delà de la méfiance, au-delà des comportements que nous décodons pas toujours, pour dépasser nos peurs qui nous transforment parfois en ombres ou en fantômes, traversant la vie sans avoir conscience des richesses qu'elle nous offre. Pour retrouver la joie d'être ensemble, comme ces regards espiègles de ce vieil homme et de cette petite fille, qui nous disent à quel point la présence à l'autre est essentielle. Et puis pour nous dire qu'il y a une vision plus grande qui nous attend. Alors, peut-être que vous allez la rencontrer dans le premier regard que vous croiserez en sortant de ces conférences.